Bonjour frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Le mois d'août ne vient que commencer. Déjà, il y a des problèmes. Quel est le problème ici? Le problème, c'est que le célèbre chef cuisinier, Emeka Eloagu, a été retrouvé mort chez lui. On l'a assassiné. Quelqu'un l'a tué. Sérieux? Est-ce que c'est de la blague? Et selon l'information que j'ai reçue, on a appris que vraiment les gens l'ont mal tué. Vraiment mal tué. Vous voyez un peu comme dans les films, là. Quand quelqu'un dit, ah, dans ce film, on tue mal, vous savez de quoi la personne parle, non? Aïe, aïe, aïe. Je ne vais pas entrer dans les détails. J'apprends déjà qu'il a été étranglé. Mis nu et il a eu quelques déchirures sur le corps. Mais qui était Emeka Eloku? Comme l'indique le titre, c'est un grand chef cuisinier au Nigeria, l'un des plus populaires chefs cuisiniers. Selon les témoignages que j'ai reçus de mes collègues m'ont dit que ce monsieur, quand vous mangez sa nourriture, vous avez envie même d'enlever vos doigts. Tellement c'est hors du commun. Tellement c'est hors du commun. Pourquoi les bonnes personnes partent? Bon, je ne sais pas s'il était bon, de toute façon, lui n'est pas fait sur la terre, mais je veux dire, mais pourquoi est-ce que les gens qui ont des talents partent juste comme ça? Parce qu'il y a des ennemis. Ça, c'est ce que je pense. Il y a des ennemis. Vous avez vu ce qui s'est passé dans la Bible, non? On a dit que quand Jésus-Christ est né, il y a eu les trois mages qui sont venus le saluer. Maintenant, le roi de ce temps-là voulait aussi venir le saluer. Mais en fait, lui voulait venir la battre. Mais Dieu n'a pas permis cela. Il a divinement averti Joseph, le père adoptif de Jésus-Christ. Et il lui a clairement dit, Joseph, écoute, lève-toi. Pars. Parce que les gens cherchent à tuer l'enfant. Quand Joseph s'est levé, il a obéi. Résultat, l'enfant était sauvé. Mais tous les enfants qui étaient là-bas ont été tués. Et qui voulait tuer Jésus-Christ? C'était ce roi qui était là. À cause de quoi? À cause de son étoile. Quand votre étoile brille et que tout le monde commence à vous apprécier, ou encore quand vous devenez populaire, sachez désormais où vous mettez les pieds, parce que vous êtes une cible. Une cible. Déjà dans ce monde, quand vous n'avez rien fait, même au champ, ils vous attaquent, même si vous êtes un bébé. Est-ce que vous pensez que les bébés, là, autour de Jésus-Christ, que ce roi-là a tué, là, est-ce que vous pensez que ces bébés-là lui ont fait du mal? Ou est-ce que vous pensez que ces bébés lui ont manqué de respect? Qu'est-ce que ces bébés ont-ils fait? Qu'est-ce que ces bébés-là ont-ils fait? Même les bébés avortés, les bébés que les gens apportent là, qu'est-ce que ces bébés-là leur ont fait? Ces bébés-là n'ont rien à voir dans l'histoire de l'enserrer. Mais voici la réalité de ce monde.
Quand votre étoile brille, vous êtes une menace. Quand vous avez du succès, vous êtes une menace. Dans la dernière vidéo du jour, qu'est-ce qu'on a découvert? On l'a découvert parce qu'il révélait que Tibi Yeshua a été tué et que lui connaît les gens qui l'ont tué et pourquoi. Il a expliqué pourquoi. Cette vidéo pourrait apparaître ici, vous allez la voir. Mais vraiment, c'est triste. C'est triste. La pharmacienne, monsieur, a voulu le retrouver à la maison nue et mort. Selon vous, qu'est-ce que c'est sa réaction? Apparemment, c'était dimanche et un révélé de l'église. Et puis, elle a vu son mari comme ça. Si c'est vous, qu'est-ce que c'est votre réaction? Qu'est-ce que c'est votre réaction? Vraiment, vraiment, vraiment. Ainsi, c'était des concurrents qui avaient fait ça. Des gens du même domaine que lui, qui, par jalousie, ont décidé de l'éliminer parce que peut-être il menaçait leur business. Dans ce monde-là, il y a tout. Dans ce monde-là, il y a tout. Vous voyez pourquoi souvent on nous dit ayez une relation personnelle avec Dieu. Ayez une relation personnelle avec Dieu. Et ayez une relation personnelle avec Dieu. Vous voyez pourquoi on vous dit souvent adorez Dieu en esprit et en vérité. Adorez Dieu en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. Vous ne savez pas qui sont vos ennemis et quels sont leurs plans. Quand vous commencez à adorer Dieu vrai, vrai, et que vous le laissez vous parler en songe, en vision, Dieu peut vous révéler le plan de vos ennemis, comme ce qu'il a révélé au Père de Jésus-Christ, c'est-à-dire à Joseph, afin que vous puissiez quitter l'ombre, vous puissiez échapper au plan de vos ennemis, voire même les dévoiler, voire même les attraper, les captiver, voire même faire en sorte qu'ils puissent tomber eux-mêmes dans le piège qu'ils vous ont tendu. Vraiment, c'est triste. C'est triste. C'est vraiment terrible. Mais ce n'est pas tout. Dans le même dimanche, c'est le 2 août hier, avant-hier, il y a un pasteur. Après le culte, il allait juste acheter des plantes pour pouvoir préparer, pour un peu, pour faire la salade, là. Il allait acheter les trucs, le condiment, les trucs comme ça au marché. Dès qu'il est venu carrer sa voiture, en même temps, les gens, des gens inconnus sont sortis de nulle part, venus tirer plusieurs balles sur sa voiture, boum, boum, comme si on se trouvait aux États-Unis, alors que ça se passe au Nigeria. Seigneur Jésus, nous allons entendre son témoignage dans peu de temps, c'est-à-dire après cette vidéo-là. Donc, restez connectés. Si vous n'êtes pas abonné à la voiture, la cloche et soyez en même temps prêt. C'est parti.